Hello, Divi Loterie. Est-ce qu'il y a une stratégie pour jouer ou gagner à la Divi Loterie? Est-ce qu'il y a une stratégie pour gagner à la Divi Loterie? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et c'est parti. Hey guys, this is Asiana. Je suis Asiana de la chaîne Warren et Asiana et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Ici, on parle de Divi Loterie, de la famille, des couples africains en Occident, du business, de la motivation, ok, de l'Amérique en général. Toi qui veux immigrer en Amérique, abonne-toi à cette chaîne avant de continuer dans cette vidéo pour ne rien manquer. Ici, on va te donner beaucoup, 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 beaucoup d'idées. On va te donner beaucoup de choses qui vont t'aider à bien te préparer si tu veux immigrer en Amérique ou encore les stratégies pour gagner à la Divi Loterie. Mais surtout, active la cloche, ok? Active la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne, tu seras notifié en premier que je suis en ligne et tu pourras venir me rejoindre en ligne. Mais aussi, partage la vidéo et cette chaîne dans les réseaux sociaux avec tes amis, ok? Ça va aider quelqu'un dehors là-bas, ok? Le sujet d'aujourd'hui va parler de... Les gens sont en train de poser les questions, de demander s'il y a une stratégie, ok? Une stratégie pour gagner à la Divi Loterie. Donc aujourd'hui, on va parler de cette stratégie-là. Reste connecté à la vidéo, ok? En fait, gagner à la Divi Loterie, est-ce qu'il y a une stratégie? Tout ce que je sais, ok? 4 personnes sur 10, ok? 4 personnes sur 10, 4 personnes sur 10 gagnants, ok? Ne remplissent pas leur application correctement. J'ai fait une vidéo précédente qui parle de comment faire pour gagner à la Divi Loterie, ok? Va regarder cette vidéo qui parle de comment faire pour gagner à la Divi Loterie et tu vas comprendre beaucoup de choses là-bas, ok? Là-bas, je parlais de comment faire pour gagner à la Divi Loterie. Ici, on va parler des stratégies, ok? S'il y a une stratégie pour gagner à la Divi Loterie. Mais il faut d'abord savoir que 4 gagnants sur 10 ne remplissent pas correctement leur application de Divi Loterie, ok? La chance de gagner à la Divi Loterie est de 2% en ligne. Uniquement 2%, ok? Il y a seulement 2% de chance pour gagner à la Divi Loterie, ok? Si tu es marié, ok, pour les couples mariés, si tu es marié, ok? Si tu es marié, la femme peut jouer en ajoutant le mari et les enfants. Le mari peut jouer en ajoutant la femme et les enfants, ok? Et votre chance est de 4%, ok? 4% de jouer à la Divi Loterie, ok? Donc, la stratégie, il n'y a pas une stratégie que tu dois faire pour gagner la Divi Loterie. C'est juste remplir correctement ces informations, ok? Remplir correctement tes informations, ok? Remplis correctement. Est-ce que tu m'écoutes correctement et comprends ce que tu es en train de répondre? Si tu arrives quelque part où on a mis last name, first name, ok? Si tu ne comprends pas, il faut faire les recherches. Ne parle pas seulement remplis comme ça là. Remplis correctement tes informations, ok? Si tu veux l'aide avec l'anglais, ok? Si tu veux de l'aide avec l'anglais, demande de l'aide à quelqu'un au lieu d'aller remplir du n'importe quoi, ok? Ne laisse personne remplir ton application. Si tu veux de l'aide, tu peux rester à côté d'une personne qui peut t'aider, ok? C'est toi-même qui es en train de taper tes informations. La personne est en train de te dire ou de t'aider, ok? Mais ne laisse pas quelqu'un aller taper tes informations parce que tu sais pas, on allait taper tes informations si la personne va ajouter du n'importe quoi là-bas, ok? Donc, fais attention, ok? Pour les gens qui veulent aller jouer, je sais pas, dans les cyber ou les agences là, les gens là, ils sont juste là. Ils veulent que tu pars payer ton argent là-bas pour qu'ils jouent pour toi, ok? Fais très très attention. Eux, tout ce qui leur importe, c'est leur argent, ok? Ils ne sont pas là pour te faire gagner parce que personne ne peut te faire gagner à la Divi Loterie. Il n'y a pas une stratégie, une magie, une technique pour gagner à la Divi Loterie. C'est juste de remplir correctement, savoir ce que tu remplis, d'éviter les erreurs, ok? Donc, fais très attention, ok? Donc, si tu joues à la Divi Loterie toi-même, tu es plus sûr de ce que tu as rempli dans ton application. Ne donne pas à quelqu'un de remplir ton application parce que personne ne peut te faire gagner à la Divi Loterie. La Divi Loterie, c'est un jeu de hasard. Ok, love. Donc, il ne faut pas espérer que telle agence a dit que je fais gagner les gens à la Divi Loterie, je donne les visas. Non, 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 non. C'est l'ambassade américaine, c'est l'ambassade conseiller
américain, l'ambassade américaine qui va te donner le visa. C'est pas quelqu'un qui va te donner ce visa-là, ok? Il y a beaucoup de compagnies ici dehors qui disent qu'ils peuvent garantir le visa, ok? Qui peuvent te garantir le visa si tu utilises leur service. C'est faux, ok? C'est faux. Les gens n'aiment pas la vérité, mais je vais vous dire la vérité, ok? Toi qui écoutes cette vidéo, si tu connais quelqu'un qui veut jouer à la Divi Loterie, va dire à la personne de venir t'abonner à la chaîne parce que si tu auras les informations claires, ok? Personne, aucune entreprise, aucune compagnie, aucune agence ne peut te garantir le visa. C'est à l'ambassade américaine. L'ambassade américaine va décider si ton visa sera accordé ou refusé l'offre, ok? Ces gens des agences-là ne vont pas te dire la vérité parce qu'ils n'ont pas le secret pour gagner la vie de l'autre parce que c'est pas eux aussi qui donnent le visa, ok? Donc, joue. Si tu es éligible, joue seulement. Si tu sais que tu es éligible, ton pays est éligible, tu as tous les documents qu'on demande, tu as ton passeport qui n'est pas expiré, joue. Ok? Joue. Si tu n'as pas gagné cette année, rejoue l'année prochaine. Ok? L'application de la Divi se trouve dans le site diviprogramme.state.gov. Joue. Si tu gagnes quoi, rejoue. Tu ne sais pas quand tu vas gagner. Ok? Ne mets pas ta vie, mais. Comment dire ça? Je te donne motivation, ok? Ne mets pas ta vie en attente. Ne mets pas ta vie en attente dans l'espoir de gagner, ok? Par exemple, tu as joué à la Divi Loterie parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui jouent à la Divi Loterie après la vie s'arrête. Ils font déjà les programmes. Si je gagne, je me retrouve en Amérique. Non, ne mets pas ta vie en attente parce que tu ne sais pas si tu vas gagner, si tu ne vas pas gagner. La Divi, c'est une procédure qui est longue, ok? Tu sais pas si tu vas gagner, si tu vas pas gagner, mais ne perds pas aussi espoir, ok? Ne perds pas espoir parce qu'on ne sait jamais quand ton jour va arriver, ok? Il y a les personnes qui gagnent à la première application, à la première fois qu'ils jouent au jeu, ils gagnent. Il y a les personnes qui attendent 10 fois pour jouer, pour gagner 20 fois. Après avoir joué 20 fois, ils gagnent. Et les gens, une fois après. Donc, ne mets pas ta vie en attente. Donc, comme je disais, il n'y a pas de stratégie qui va faire à ce que tu gagnes à la loterie américaine. 4 personnes sur 10 qui gagnent à la Divi Loterie remplissent mal leur application. Donc toi, il faut déjà écouter ça et faire attention. Si je te dis 4 personnes sur 10 qui gagnent à la Divi Loterie ont mal rempli l'application, toi, ce que tu dois faire, tu dois mettre les chances de ton côté pour mieux remplir ton application. Ok? Si tu es marié, si tu as une femme, un homme, la femme fait ton application. Joue, mets l'homme et les enfants dedans. L'homme, quand tu joues, mets ta femme et les enfants dedans. Vous avez plus de chances, 4% de chances de gagner à la Divi Loterie. Si la femme ne gagne pas, le mari gagne, mais il y a sa femme dans l'application et les enfants. Toute la famille gagne, ok? Et fais attention aux agences, aux entreprises de Divi Loterie qui disent que le visa est garanti chez eux si tu utilises leur service. C'est faux, archi faux. Tout ce qui leur importe, c'est leur argent que tu vas aller leur payer pour t'aider à faire l'application de la Divi Loterie. Et pour faire l'application de la Divi Loterie, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu peux remplir toi-même en ligne, mais lis bien les instructions avant de remplir. Si tu as besoin d'aide, tu peux t'asseoir avec quelqu'un à côté et quelqu'un en train de te dire ce que tu dois faire, mais toi-même, tu es sur la machine en train de taper. En train de taper tes informations et ne mets pas ta vie en attente disant que tu as joué maintenant, tout ce que tu penses et tu rêves de la mairie. Non, tant que tu n'as pas le visa, il ne faut pas rêver de la mairie, ok? Continue ta vie normalement, tu continues, la Divi aussi avance, ok? Mais ne perds pas aussi espoir parce que tu peux toujours gagner. Moi, j'étais Divi 2012, j'ai gagné la Divi l'autre, donc ça veut dire qu'il y a espoir, ok? Il y a espoir, joue seulement avec une seule application. Ok, une personne soumet une application, pas deux applications. Si tu soumets plus de deux applications, tu seras disqualifié. Ok, il y a les gens qui jouent pour la première fois, ils gagnent. Deuxième fois, ils gagnent. Ok, il y a les gens pour gagner, il faut qu'ils jouent 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois. Ok, mais il y a les gens, une fois seulement, ils ont gagné. Donc, love. Il n'y a pas de stratégie pour gagner à la Divi Loterie. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi les pouces et les commentaires. Je vais venir regarder, ok? Et je vais venir te répondre. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que si tu t'abonnes à la chaîne, tu auras beaucoup plus d'informations claires sur l'Amérique que tu veux voir, que tu veux immigrer, ok? La Divi Loterie, la famille, les couples africains en Occident, ok? Les finances, on va parler des finances, on va parler de l'argent, on va parler des business, on va parler de motivation, mais aussi partage la chaîne et les vidéos dans les réseaux sociaux, surtout avec les gens que tu sais qui sont intéressés à la Divi Loterie. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.